suivant, bah, dossier suivant, je vais laisser la parole à Mickaël Leblanc en tant que chargé de la com. On avait évoqué lors de la plénière de décembre donc un projet de rénovation du site internet. Et donc on était parti sur, en termes de méthodologie, sur la création d'un groupe de travail. L'idée c'est pendant la période entre les deux plénières d'essayer d'identifier à la fois parmi les délégués communautaires mais voire au-delà, comme c'est un groupe de travail on peut prendre des personnes extérieures comme pour les commissions. Donc pour créer un groupe de travail qui se chargerait à la fois de la création de l'architecture, de l'arborescence, mais surtout en amont de quel est le besoin à la fois pour la communauté de communes et pour les habitants, donc sans doute intégrer aussi des usagers, quel est le besoin en termes de support informatique et d'information. Ce qu'on vous a proposé en commission communication en décembre, c'est le calendrier suivant. De janvier à juin 2012, on réunirait donc le comité de pilotage une fois par mois. Donc le comité de pilotage qui aurait un référent au sein des agents de notre comité de commune, Julien, qui s'occupe actuellement de la communication et du tourisme. Été 2012, on lancerait des consultations pour une réalisation du support, le portail, le site, le blog, on en parle par la destination, la finalité. Donc réalisation automne 2012 pour un livrable en janvier 2013. Donc, voilà la proposition de calendrier. Et en termes d'administration, Julien et Sophie à l'accueil pourraient se répartir la tâche. Julien sur le pilotage global du site et Sophie sur la partie plus mise à jour administrative. Voilà, et qui pourrait éventuellement le remplacer en cas de congé de maladie. Donc l'idée, ça serait de démarrer dès ce mois-ci. Je ne vous propose pas encore de date, hein, puisque évidemment l'idée c'est de voir en fonction des volontaires quel est le dénominateur commun en termes de disponibilité. Voilà, donc appel à rejoindre ce comité de pilotage pour la création du site internet, donc de janvier à juin prochain. Donc six réunions à venir prochainement. Une fois par mois. Et les horaires, alors on va être un peu obligé de prévoir ça évidemment en semaine, plutôt en journée, parce que sur les derniers moments de réunion, on risque peut-être d'avoir des personnes extérieures en consultation. Donc voilà, plutôt en semaine, plutôt en journée. Ça vous avance peut-être pas plus. Non, enfin bon, ça va. Et une fois par mois. Voilà, donc c'est si vous venez vous engager à un maximum 6 réunions. Ah, Alain Crespo. Christine Crespo. Alors, pendant que vous réfléchissez, monsieur Bugier. Donc l'idée vraiment, j'insiste, c'est vraiment des personnes qui ne sont pas mordues d'informatique. On ne va pas du tout parler technique, ce n'est pas l'objet. On va vraiment parler contenu, objectif, voilà, quelle est l'expression de besoin de la communauté de communes et de ses habitants sur une nouvelle architecture, un nouveau support. Donc vraiment des usagers et voilà, lambda. Mickaël, lors de la sélection d'un barbier, j'avais demandé donc d'ouvrir les commissions à une personne extérieure et ça avait été confus. Les conseillers municipaux, on les a ouverts aux conseillers municipaux. Donc voilà, je pose la question, est-ce qu'aujourd'hui... Là, c'est un groupe de travail, c'est pas une position. Mais est-ce que la CDC doit prendre une décision en disant que maintenant, c'est vraiment ouvert? Toutes les commissions sont ouvertes aux conseillers municipaux, monsieur Oubliard. Pas aux gens extérieurs. Non, pas aux gens extérieurs, mais aux conseillers municipaux. Aux gens extérieurs, sur demande ou sur proposition de la commission. Par contre, là, il ne s'agit pas d'une commission, mais d'un comité de pilotage. On est comme sur le comité de pilotage médiathèque. Donc, on peut prendre les gens extérieurs. De toute façon, c'est pas le problème. Donc, voilà, j'ai posé la question. Donc, à l'époque, on avait refusé quand même aux gens extérieurs, aux délégués et conseillers. Voilà, c'est ça que je pose la question. C'est vraiment un groupe de travail avec une mission très précise, un début, une fin. C'est pas une commission d'élus, enfin, évidemment ça sera essentiellement des élus, enfin, j'espère que vous serez de nous. C'est le comité de pilotage,
commission ne faisait pas assez de CPI pour les usagers, donc ça paraît normal que des usagers ou autres qui puissent participer, pas moi à mon sens, qui puissent participer. Ah oui, ça veut dire d'avoir un ado, d'avoir un ado, des retraités. C'est fait, oui. On a du mal. Bon, ça serait bien qu'on soit 4 ou 5 quand même. Pour l'instant, nous sommes que 3. Alors, en commission, je sais qu'en commission communication et culture, il y avait d'autres adeptes. Mais... Alors, en même temps, on n'est pas sur une commission, donc on peut intégrer, je dirais, des volontaires en cours de route. Voilà. Pour l'instant, nous sommes 4. Réfléchissez-y, il n'est pas trop tard pour y reprendre en cours de route. C'est sur ça. Bon, eh bien écoutez, ça fait déjà 4 personnes. Et un grand merci. Peut-être qu'à la lecture du compte rendu, les absences. Thank you.